Mes yeux ont vu l'agneau.
chante-le. Les yeux ont vu l'agneau. Chante-le, chante-le. Oh, papa, sous son trône. Chante-le, chante-le. Les yeux ont vu l'agneau. Chante-le, chante-le. Oh, Seigneur, sous son trône. Il règne tout, toujours. Je viens dans ta prison.
assoiffé. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens, je viens, je viens. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens, je viens, je viens. Je viens dans ta présence. Je viens, je viens, je viens. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Je viens dans le ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Oui, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul. De toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Le cœur assoiffé. Le cœur assoiffé.
soifé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens, je viens, je viens. Je viens dans ta présence. Le cœur amoureux. Le cœur amoureux de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Dans ta présence, le cœur a soifé de toi. Le cœur a soifé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oui, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Le cœur a soifé. Le cœur a soifé de toi. Père, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens, je viens, je viens. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Mais je m'attends, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Le cœur amoureux. Le cœur amoureux pour le Seigneur. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Car j'ai tant besoin de toi. Toi et moi. Besoin de toi, Père, de toi, toi, j'ai besoin de toi, besoin de toi, tu la termines avec tes grâces excellentes, de toi dans ma vie, j'ai tant besoin de toi, besoin de avec la victoire de la croix de Jésus, de toi seul, de toi, pour que tu la termines, j'ai besoin de avec toi, la victoire de la croix de Jésus, de toi, avec la victoire de la croix de Jésus. La croix est ma victoire. La croix est ta victoire. La croix est notre victoire. La croix est ta victoire. La présence du Seigneur est là. Son onction est là pour libérer les vies. La puissance de Dieu est là pour que les écailles tombent. Pour que les écailles tombent. Saint-Esprit va se manifester ce soir. Le Saint-Esprit va agir. Nous appelons la présence du Saint-Esprit. Nous appelons la rosée du ciel. Nous appelons la rosée du ciel. Que la présence du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te touche encore. Que le Saint-Esprit te touche encore. Merci Seigneur. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Et chaque fois que nous nous présentons devant le Seigneur, il entend nos prières. Il exauce nos prières. Il ouvre les écluses des cieux. Il commence à agir. Il commence à se manifester. La puissance de Dieu va te toucher. La bonne main de l'Éternel va te toucher. La bonne main de l'Éternel va te toucher. La grâce de l'Éternel est là. La grâce de l'Éternel est là. Alléluia. La grâce de l'Éternel est là. Oh, le Seigneur est là. Alléluia. Nous nous attendons à la grâce du Seigneur. Nous attendons à la grâce du Seigneur. Et il va agir. Et il va te toucher encore ce soir. Lorsque les ingrédients sont réunis, lorsque la présence de Dieu est là, lorsque nous adorons le Seigneur, lorsque le Saint-Esprit descend et il trouve les vrais adorateurs en train d'adorer l'Éternel en esprit et en vérité, l'Esprit de Dieu descend et Dieu siège en ce moment-là et il commence à agir maintenant. Il commence à se manifester. Il commence à agir. Et ce soir encore, le Saint-Esprit va agir. Le Saint-Esprit va agir. L'Esprit de Dieu va te toucher. L'Esprit de Dieu va te toucher. L'Esprit de Dieu va te toucher ce soir. La puissance de Dieu est là. L'onction est déjà là. L'onction est déjà là. L'onction est déjà là. L'onction est déjà là. La présence du Saint-Esprit est déjà là. Le Saint-Esprit est déjà là. Le Saint-Esprit est déjà là. Il est là. Jamais,
il rate un tel rendez-vous. Jamais il rate un tel rendez-vous. Le Seigneur est toujours là. Il est toujours présent. Il est toujours présent. Merci Seigneur. Sois béni à jamais. Sois glorifié à jamais. Nous te remercions Seigneur. Nous t'adorons Seigneur. Tu es vivant Seigneur. Tu es Seigneur. Sois élevé à jamais. Sois glorifié à jamais. Merci Seigneur. Donnez un micro. Quelqu'un va lire les versets que je vais donner. Alléluia. Mettez-moi le retour. Un retour quelque part. Alléluia. Sois béni à jamais. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Le Seigneur va nous faire du bien. Il va te toucher, il va me toucher. Il va agir dans ta vie, il va agir dans ma vie. Sa puissance est toujours disponible pour toucher. Il siège au milieu de la louange de son peuple. Il siège au milieu de la louange de son peuple. Nous allons lire dans la Bible. Hébreux chapitre 8, le verset 6. Je vais demander à quelqu'un ici de lire Hébreux chapitre 8, verset 6. Alléluia. Le Seigneur va nous faire du bien pour le temps qui reste. Je vous salue tous. Dès que vous trouvez, vous commencez à lire Hébreux chapitre 8, verset 6. Alléluia. Hébreux chapitre 8, verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant plus supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Alléluia. Qui a été établie sur de meilleures promesses. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Relis encore la parole du Seigneur. Hébreux 8, verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant plus supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Alléluia. Qui a été établie sur de meilleures promesses. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je lis encore la parole du Seigneur. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Alléluia. Donnez-moi, je vais lire avec un texte ou bien avec mon ami. Voilà. Trouvez-moi le verset et donnez-moi le verset. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ou bien quelqu'un d'autre, tu peux me trouver. Laisse-moi pas, je la suivre. Laisse-moi suivre là-bas. Donnez-moi que je peux lire. C'est agrandi, je vais lire. Permettez que je lise ici, là. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le meilleur, qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. Alléluia. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Et là, on parle de qui ? Il. Il, c'est qui ? Il c'est qui? Il c'est qui? Il c'est qui? Jésus. Même Jésus qui vous a sauvé dit Jésus fort. Il c'est qui? Jésus. Ah, voilà. Alléluia. Amen. Ce nom dans la vie. Alléluia. Amen. Même en prononçant le nom de Jésus, on sent la vie déjà. Amen. Même dans ton rêve, dès que tu prononces le nom de Jésus, parce qu'en ce nom, tout genou fléchira. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 8, verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. Alléluia. Raison pour laquelle nous appartenons au Seigneur Jésus.
Raison pour laquelle nous adorons le Seigneur Jésus. Ce que le Seigneur Jésus a fait, personne ne l'a fait. Aucun prophète a fait ce que le Seigneur Jésus a fait. Et tout cela, c'est l'œuvre de la croix. Quand on dit, mais maintenant, il a obtenu. Il est parti à la croix. Mourir à la croix. Par cette mort humiliante de la croix. Et en mourant à la croix, il était en train d'accomplir un ministère. Jésus était en train d'accomplir un ministère. Il était en train d'obtenir. Alléluia. Il était en train d'obtenir un ministère d'autant supérieur. Alléluia. Amen. Pendant que Jésus était à la croix, il était en train d'obtenir un ministère d'autant supérieur. Supérieur à tout. Raison pour laquelle nous adorons le Seigneur Jésus. Il est supérieur à tout. Il est au-dessus de tous les prophètes. Nous n'adorons pas Moïse. Parce que Moïse est pécheur. Moïse n'est pas supérieur. Moïse n'a pas pris un ministère supérieur. Raison pour laquelle nous ne chantons pas Moïse. Nous ne chantons pas David. Parce que David n'a pas obtenu un ministère meilleur. Il ne l'a pas obtenu. Mais nous adorons le Seigneur Jésus de Nazareth. Parce qu'il a obtenu un ministère supérieur. Alléluia. Il a obtenu un ministère supérieur. Supérieur à tous les prophètes qui ont existé avant lui. Et qui ont existé après lui. Alléluia. Jésus a obtenu un ministère supérieur. Dites avec moi, supérieur. Supérieur. Jésus a obtenu. Il est allé mourir à la croix. Par cette mort humiliante à la croix. Par ce sacrifice difficile à la croix. On a cloué ses mains. Ses mains qui ont touché les malades. Et les malades ont été guéris. Ses mains qui ont ouvert les yeux des aveugles. Mais on l'a cloué à la croix. Ses pieds qui ont marché de ville en ville, de village en village, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Ses pieds, les hommes, l'ont cloué sur la croix. L'ont cloué sur la croix. Et pendant que le monde clouait Jésus sur la croix, il était en train d'obtenir un ministère supérieur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a obtenu. Mais maintenant, il a obtenu un ministère supérieur. Un ministère supérieur. Oh, nous sommes dans le supérieur. Nous sommes dans le supérieur. Nous sommes dans un ministère supérieur. Jésus nous a menés dans le ministère supérieur. Alléluia. Oh, les prophètes ne sont pas supérieurs. Nous n'adorons pas Daniel. Daniel a vaincu la fosse au lion. Et ses compagnons ont vaincu la fosse au lion. Ont vaincu la flamme. Ils ont vaincu le feu. Mais nous n'adorons pas Daniel parce qu'il n'a pas obtenu un ministère supérieur. Nous ne l'adorons pas parce qu'il n'a pas obtenu un ministère supérieur. Mais Jésus a obtenu un ministère supérieur. Alléluia. Il a obtenu un ministère supérieur. Il a obtenu un ministère supérieur. Jésus a obtenu un ministère supérieur. Pendant qu'il était sur la croix, il était en train de gagner quelque chose. Il était en train de gagner ce combat. Jésus était en train de gagner le combat. Il était en train de gagner le combat. De remporter un ministère supérieur. D'obtenir un ministère supérieur. Jean-Baptiste, il a prêché. Nous n'adorons pas Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste n'a pas obtenu un ministère supérieur. Nous n'adorons pas Moïse qui a ouvert la mer Rouge en deux. Moïse n'a pas obtenu un ministère supérieur. Même quand il a ouvert la mer Rouge en deux, il ne l'a pas obtenu. Mais Jésus, en allant mourir sur la croix de Golgotha, il a vaincu le péché, il a vaincu la mort et il a obtenu un ministère supérieur. Alléluia! Il a obtenu un ministère supérieur. Jésus a obtenu un ministère supérieur. Et Jésus a obtenu son ministère supérieur. Alléluia. Mon ami, nous qui marchons avec le Seigneur Jésus, nous marchons dans un ministère comment? Supérieur. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de prêcher les yeux presque fermés à cause de la fatigue. Les larmes coulent déjà.
à cause de la fatigue. Donc même les lampes qui sont ici éblouissent mes yeux à cause de la fatigue. Premier culte le matin, deuxième culte au village. Donc je reviens tout droit du village et on nous a mené un malade à la toute dernière minute. Pendant qu'on a fini de prêcher, on a mené un cas très difficile et on ne pouvait pas laisser ce malade comme on l'a mené dans une voiture déposée là. On ne pouvait pas laisser ce malade comme ça repartir dans sa maladie. On a pris le temps de rendre ministère. Raison pour laquelle, en arrivant, on a eu tout ce retard. Mais le Seigneur est fidèle, alléluia. Amen. Le Seigneur est fidèle, alléluia. Amen. Et je suis dans la joie. Malgré la fatigue, malgré les larmes qui coulent des yeux, malgré tout cela, je suis en train de marcher dans un ministère supérieur, alléluia. Je suis dans un ministère supérieur, alléluia. Alléluia. Et quand je marche devant les sorciers, les marabouts, je marche dans un ministère supérieur. Alléluia. Je suis dans le supérieur. Je suis dans le supérieur. Alléluia. Tu es dans le supérieur. Tu es dans le supérieur. Je suis dans le supérieur. Je suis dans le supérieur. Parce que Jésus a obtenu un ministère supérieur. Alléluia. Alléluia. Mon ami, tu es dans le supérieur. Tu es dans le supérieur. Mon ami, tu es dans le supérieur. Tu marches dans un ministère qui est supérieur. Tu marches avec le Seigneur Jésus qui est supérieur à tous les prophètes, à tous les divins, à tous les marabouts. Jésus a le ministère supérieur. Alléluia. Il a le ministère supérieur. Mon ami, quel que soit le nom de ton prophète, quel que soit le nom du chef de votre religion, mais il n'a pas obtenu le ministère supérieur. Un seul a obtenu le ministère supérieur. Il a pu l'obtenir parce que la seule condition pour l'obtenir, il fallait passer par la croix, vaincre le péché et vaincre la mort. Aller dans le séjour de mort et sortir vivant du tombeau. Le troisième jour, Jésus est sorti vivant du tombeau et il a obtenu un ministère supérieur. Alléluia! Ministère supérieur, ministère supérieur, ministère supérieur. Mon ami, tu marches dans le supérieur. Tu marches dans un ministère supérieur. Supérieur aux sorciers, supérieur aux marabouts, supérieur aux magiciens, supérieur à l'occultisme. Tu es dans le supérieur, alléluia. Tu pries dans le supérieur, alléluia. Oh, alléluia. Notre spiritualité est supérieure, alléluia. Oh, alléluia. Oh, je suis dans le supérieur. Je marche dans le supérieur. Je marche dans le supérieur. Jésus a obtenu un ministère supérieur. Jésus a obtenu un ministère supérieur. Et il m'a donné ce ministère de supérieur. Il m'a donné le ministère supérieur. Et tu es dans le ministère supérieur. Alléluia. Mon ami, quand tu obtiens la victoire de la croix, tu marches avec cette victoire qui devient ta victoire. La victoire de la croix du Seigneur Jésus-Christ est ta victoire. La victoire que Jésus a obtenue sur la croix est devenue ta victoire. La victoire que Jésus a obtenue sur la croix est devenue ta victoire. Le ministère supérieur que Jésus a obtenu sur la croix nous l'a donné. Alléluia. Le ministère supérieur que Jésus a obtenu sur la croix, il te l'a donné. Il te l'a donné. Tu es dans un ministère supérieur. Tu es dans une spiritualité supérieure. Tu es dans une croyance supérieure. Tu es dans la supériorité. Alléluia. Alléluia. Oh, tu es supérieur à tes ennemis. Tu es supérieur à tes ennemis. Tu es supérieur à tes ennemis. Je suis supérieur à mes ennemis. Je suis supérieur à mes ennemis. Tu es supérieur à tes ennemis. L'Éternel va te restaurer cette supériorité. Auparavant, tu marchais comme quelqu'un qui était inférieur. L'Éternel, ce soir, te parle. Il restaure la supériorité sur ta vie. Il restaure cette supériorité sur ta vie et sur ma vie. Mon ami, tu marches comme quelqu'un qui marche dans un ministère supérieur. Alléluia. Amen. Tu marches comme quelqu'un qui est supérieur. Tu marches comme quelqu'un qui est supérieur. Je marche comme quelqu'un qui est supérieur. Je marche comme quelqu'un qui marche dans un ministère supérieur. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi ça ne devait pas être supérieur? Pourquoi le ministère ne serait pas supérieur? Pourquoi le ministère de Jésus ne serait pas supérieur? Regardez, on a lu la dernière intervention le dimanche dernier. On a lu dans Philippiens 2, du verset 8 au verset 11.
là où le Seigneur a dit, mais c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et quand tu as le nom qui est au-dessus de tous les noms, tu as un ministère qui est au-dessus de tous les ministères. Alléluia. Quand tu as le nom qui est au-dessus de tous les noms, quand tu as le nom qui est au-dessus de tous les noms des prophètes, quand tu as le nom qui est au-dessus de tous les noms des magiciens, tu as maintenant un ministère, tu as maintenant la spiritualité qui est au-dessus de toute la spiritualité de tous les prophètes. Alléluia. Et nous pouvons le dire à haute voix, nous pouvons le dire avec vie, Jésus a obtenu le ministère qui est au-dessus de tous les ministères. Jésus a obtenu le ministère supérieur au ministère de Moïse, supérieur au ministère de David, supérieur au ministère même de Adam. Depuis Adam, c'est supérieur. Alléluia. Alléluia. Oh, je suis dans le supérieur. Alléluia. Je suis dans le supérieur. Mon ami, je ne veux pas courir derrière quelqu'un. Je ne veux pas voyager, aller quelque part. Ne voyage pas pour aller chercher un ministère supérieur. Ne voyage pas pour aller quelque part chercher une onction supérieure. Parce qu'en Jésus, tu es déjà dans le supérieur. Parce qu'en Jésus, tu es déjà dans le supérieur. Tu es dans le ministère supérieur. Tu es dans le ministère supérieur. Alléluia. Alléluia. Supérieur à tes ennemis. Supérieur aux sorciers. Supérieur aux marabouts. Au nom de Jésus-Christ. Supérieur. Supérieur. Alléluia. Ils vont te chercher la nuit. Mon ami, ils ne pourront pas t'atteindre parce que tu es supérieur. Ils viendront nombreux contre toi. Ils ne pourront pas t'atteindre parce que tu es supérieur à eux. Alléluia. Mes amis, on écrase celui qui est inférieur. On écrase celui qui est petit. Ils ne pourront pas t'écraser parce que tu es dans un ministère supérieur à eux. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Sois béni à jamais. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, je suis dans le supérieur. Tu es dans le supérieur. L'Éternel restaure ta supériorité. L'Éternel restaure ta supériorité. Il restaure ta supériorité. Il restaure sa supériorité. Tu vas marcher dans la supériorité. Tu vas marcher dans la supériorité. Tu vas marcher dans la supériorité. Tu vas être à l'école dans la supériorité. Tu vas être dans ton lieu de service dans la supériorité. Parce que tu es dans une spiritualité supérieure. Tu es dans un ministère supérieur. Tu es dans un ministère supérieur. Dans le quartier, tu es dans le quartier. Tu vis dans la supériorité spirituelle dans le quartier. Alléluia. Tu vis dans la supériorité spirituelle dans le quartier. Dans le pays, nous vivons dans la supériorité spirituelle. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Tu marres de la supériorité. Tu marres de la supériorité. Raison pour laquelle le Seigneur a dit, tout lieu où la plante de ton pied foulera, je te le donne. Je te le donne. Parce que celui qui est supérieur, quand il arrive quelque part et il déclare, ici, c'est devenu pour moi. Puisqu'il est supérieur, tout le monde va s'incliner. Tout le monde va se retirer. Tu marches de la supériorité et tout lieu où la plante au pied foulera, Dieu te le donne en possession. Alléluia. Tout lieu où la plante au pied foulera, tu le possèdes en possession. Alléluia. Et tu possèdes cette spiritualité supérieure partout où tu iras au nom de Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, lorsque nous allons dans un village, nous rentrons dans ce village en position de supérieur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Depuis même l'âge de 18 ans, 19 ans, 20 ans, on a connu cette vérité. On a connu cette vérité. Et lorsque nous sommes en face des sorciers, des marabouts, des magiciens, tout ce monde, et les gens commencent à dire, il est un grand marabout. Je dis, oui, il est grand marabout, mais il n'a pas le ministère supérieur. J'ai le ministère supérieur à tout leur ministère. J'ai le ministère supérieur à toutes leurs fétiches. Alléluia.
Et quand tu es dans le supérieur, tu écrases tout ce qui est en bas. Alléluia. Alors le Seigneur a dit, vous marcherez. Vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne vous fera du mal. Alléluia. Vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Parce que tu es dans la supériorité. Parce que tu es dans la supériorité. Tu marches dans la supériorité et tu écrases les forces du mal qui sont sur ta route. Tu vas les écraser au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Oh Dieu, restaure ta supériorité. L'Éternel est en train de restaurer ta supériorité. Et la fois passée, j'ai vu dans une famille, les gens étaient en train de se battre. Et on a pris, et les gens de la maison sont sortis. Ils ont vu leur frère qui se battait, l'autre l'avait mis par terre. Et le visiteur, intrus, il était au-dessus. Et il était au-dessus, donc il avait la supériorité. Ils sont venus, ils ont commencé à manœuvrer. Ils ont soulevé. Ils ont pris celui qui est au-dessus, là, celui qui avait la supériorité dans le combat. Et ils l'ont renversé. Ils l'ont mis à terre. Ils ont soulevé leur frère qui était en position inférieure. Ils l'ont mis maintenant debout. Maintenant, lui, il est devenu notre supérieur dans ce combat-là. Mon ami, l'Éternel va restaurer ta supériorité. Quelque part, tu étais en bas. Quelque part, tu étais en bas. L'Éternel restaure ta supériorité maintenant. Vis-à-vis de tes ennemis, l'Éternel restaure ta supériorité maintenant. La supériorité dans les affaires. L'Éternel va te restaurer la supériorité dans tes affaires. Alléluia. Dans ta famille, l'Éternel va restaurer ta supériorité. Alléluia. Alléluia. Mes amis, regardez. Dans un petit village comme le village de Louli, nous prions sous un arbre, en pleine nature. Tout le village est au carreau. Tout le village est tenu au respect. Tous les sorciers, les féticheurs, tout le monde tremble. Tout le monde a peur. Ils disent, n'allez pas là-bas. Ne mangez même pas avec eux. Ils sont tellement dangereux. Oui, avant, ils semblaient, ces féticheurs, ces sorciers, semblaient avoir la supériorité spirituelle, diabolique, dans tout le village. Mais lorsque Jésus arrive quelque part, le ministère de la supériorité arrive. Et quand le ministère de la supériorité arrive, le ministère de la supériorité prend celui qui se croyait supérieur, et il l'amène en bas. Alléluia. Et le ministère de la supériorité prend le dessus. Alléluia. Tu vas prendre le dessus partout au nom de Jésus-Christ. Tu vas prendre le dessus au nom de Jésus-Christ. Tu étais en bas. Maintenant, l'Éternel te donne la supériorité sur tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Et je ne sais pas si je vais finir tous ces points-là. Il y en a trois points ici, là. Je suis tellement fort, je suis tellement content sur la supériorité que je ne veux même pas continuer le deuxième point. Je ne vais pas continuer le deuxième point. Mes amis, le Seigneur veut restaurer cette supériorité, mon ami. Le Seigneur veut restaurer la supériorité dans ta vie. Il veut restaurer la supériorité dans ta vie. Jésus, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant plus supérieur. Auparavant, tu croyais aux prophètes, tu croyais aux féticheurs, tu croyais aux fétiches, tu croyais à votre intelligence, tu croyais à vos technologies. Mais le Seigneur Jésus, en passant par la croix, en remportant la victoire de la croix, il a obtenu un ministère d'autant plus supérieur. Alléluia. Il a obtenu un ministère plus supérieur. Beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez pas Jésus. Maintenant, vous marchez avec Jésus. La famille persécute. Les gens parlent. Les gens menacent. Mon ami, je te parle de la part du Seigneur. Tu marches dans un ministère supérieur. Alléluia. Tu marches dans un ministère supérieur. Alléluia. Tu marches dans la spiritualité supérieure. Alléluia. Tu t'es pas trompé, mon ami, en marchant avec Jésus. Parce que Jésus a obtenu un ministère supérieur. Alléluia. Alléluia. Supérieur à tous les prophètes. Aucun prophète ne peut égaler le Seigneur Jésus. Ils ont les ministères, mais pas supérieurs. Jésus a obtenu un ministère plus supérieur que tous les prophètes avant lui et après lui. Personne ne pourra l'atteindre. Personne ne pourra l'atteindre, je vous le déclare. Alléluia. Personne ne pourra atteindre la supériorité du ministère du Seigneur Jésus. Nous sommes dans le supérieur. Alléluia. Tu es supérieur. Alléluia. Tu marches dans la supériorité. Alléluia. Tu marches dans la supériorité. Alléluia. Tu marches de la supériorité, alléluia. Dans le livre de Deutéronome,
Le Seigneur a dit, je te donnerai la supériorité sur tous tes ennemis. Alléluia. L'Éternel va te donner la supériorité sur tous tes ennemis. Alléluia. Jésus a obtenu cette victoire de la croix. Cette victoire de la croix. Et en passant par la croix, il a obtenu un ministère plus supérieur. Et il te donne cette supériorité dans toutes tes affaires. Tu as la supériorité sur tous tes ennemis. L'Éternel te donne la supériorité sur tous tes ennemis. Alléluia. Regardez ceci. Je donne encore cette illustration. Autrefois, j'étais petit, un enfant. J'ai grandi dans un village au Congo, raison pour laquelle je suis toujours dans les villages. J'ai grandi au village, je suis toujours dans les villages jusqu'à maintenant. Ok. Dans ce village, il y avait des gens qui avaient fait des fétiches. Et quand ils te tapent, ils peuvent te taper, ils peuvent te manœuvrer, faire des choses de ce genre. Les gens peuvent tomber, donc ils traumatisaient tout le monde. Ces gens-là traumatisaient tout le monde. Donc quand tu arrives, ils ont dit, ah, lui là, ils ont dit, lui son fétiche là est supérieur. Il est très fort. Donc il traumatisait tout le monde. Quand tu le vois, il marche fier avec ses fétiches, tout le monde a peur. On dit, ah, lui là c'est fort. Lui pour lui c'est très fort. Mais avant je ne connaissais pas ce verset biblique. Je cherchais quand j'étais tout petit, mais comment je vais faire pour vaincre ce monsieur-là, ce jeune homme-là, quand il arrive là, les gens s'écartent. Un jour, il m'a regardé, il m'a bousculé. J'ai eu peur, je tremblais devant lui. En ce temps-là, je ne connaissais pas bien la parole. J'étais tout petit, je devais peut-être avoir 11 ans, 10 ans, 11 ans. Ça m'a traumatisé, ça m'a marqué. Et heureusement pour lui, c'est que je ne connais pas son nom aujourd'hui là. Dites avec moi, heureusement pour lui. Heureusement pour lui que je ne connais pas son nom. Maintenant là, heureusement pour lui. Parce qu'il a traumatisé les gens. Un jour, il m'a pris, je pense qu'il m'a donné un coup de tête comme ça. Je suis tombé, j'ai perdu connaissance. J'ai pas perdu connaissance parce que le coup de tête était vraiment très forte. Mais le charisme qu'il avait, tout le monde disait que lui, là, le fétiche qu'il a, si tu attrapes. Donc, il traumatisait tout le monde. Il est en haut là-bas. Donc je tombais. Dès qu'il m'a vu, toi là, viens, gars. Boum, je tombais. Perdu connaissance. Ah. Mais non, quand j'étais là, il me traumatisait ce monsieur-là. Mais il y avait des routes, des chemins que je ne voulais même pas emprunter. J'avais tellement peur de le rencontrer. Parce que je semblais être comme un sauterelle petit devant lui. Mais une fois arrivé à Brazzaville, c'était dans un village, arrivé à Brazzaville, j'ai dit, mais Seigneur, cet homme-là qui nous traumatisait, c'est avec ses fétiches. Mais il fallait avoir quelque chose, il fallait que je puisse avoir quelque chose au-dessus de ce que lui-là. Mais moi, j'ai le nom de Jésus. J'ai Jésus qui est au-dessus de tout ce qu'il a. Donc, s'il venait la prochaine fois, je n'ai plus eu l'occasion de repartir au village. Et si je le croisais, ce monsieur-là, la prochaine fois, s'il vient avec ses coups de tête, il va tomber au nom de Jésus-Christ. Il va tomber au nom de Jésus-Christ. Parce que maintenant, j'ai découvert que j'ai quelque chose de supérieur à tout ce qu'il a. J'ai quelque chose de supérieur à tout ce qu'il a. Mon ami, si quelqu'un est en train de te traumatiser, quelqu'un est en train de traumatiser tes enfants, dis à tes enfants qu'ils ont le supérieur, qu'ils ont la supériorité. Ce que tu as est supérieur à tout ce qu'ils ont. Le nom de Jésus est supérieur à tous les noms qui peuvent exister sur cette terre. Alléluia. Alléluia. Tu es de la supériorité. L'Éternel restaure ta supériorité maintenant. Il restaure cela. J'ai eu envie, quand j'ai connu cela, je repars au village pour corriger cette affaire-là. Je veux repartir comme Moïse au village pour aller corriger cela. Pour aller corriger cela. Je semblais être inférieur à ce jeune homme-là. Mais Seigneur, tu m'as donné la supériorité. Lui, viens avec ses fétiches. Je viendrai contre toi avec le nom de Jésus qui est supérieur, qui est au-dessus de tous les noms. Je veux le rencontrer. Mais le Seigneur ne l'a pas permis. A permis seulement que je puisse connaître la vérité. Et maintenant, la vérité te rendra totalement libre. Totalement libre. Et depuis lors, mes amis, quelqu'un qui est là, on dit qu'il a les fétiches forts. Je le regarde comment? Je regarde d'abord. Je regarde comme ça. Mon ami, tu connais Jésus. Le nom là est au-dessus de tous les noms. Tes fétiches que tu as,
Le marabout, maraboutage que tu as, la sorcellerie que tu as, la magie que tu as, tu es dans un régime inférieur à ce que j'ai. Parce que j'ai Jésus qui a obtenu le ministère d'autant plus supérieur à tout ce qui a existé. Alléluia. Oh, j'ai Jésus, alléluia. Et j'ai Jésus, alléluia. Tu as Jésus, alléluia. Tu marches dans la supériorité. Tu vis dans la supériorité devant tes ennemis. L'Éternel a promis, je t'accorderai la supériorité sur tous tes ennemis. Mon ami, je vois ta supériorité restaurée maintenant. La victoire de la croix de Jésus est ta victoire. La victoire de la croix de Jésus est ma victoire. Par la croix de Jésus, Jésus a obtenu. Il a obtenu. La Bible dit clairement, mais maintenant, il a obtenu. Donc, il allait chercher cette supériorité. Jésus allait chercher cette supériorité sur tous les ministères. Il allait chercher cette supériorité. Il allait chercher cette supériorité. Il a cherché cette supériorité en passant par la croix. Et mon ami, les gens cherchent des puissances supérieures. Mon ami, il n'y a pas de puissance supérieure au-dessus de la puissance de la croix de Jésus. Il n'y a pas de ministère, il n'y a pas de force supérieure à la force de la croix de Jésus. Si tu cherches, mon ami, quelque chose de supérieur, si tu cherches, mon ami, quelque chose de très fort, viens à Jésus, prends Jésus, mon ami. Je te donne Jésus, mon ami, alléluia. Tu cherches quelque chose de très fort, prends Jésus, mon ami. Tu cherches à être quelque part où c'est supérieur, prends Jésus, mon ami. Prends Jésus, mon ami. Prends Jésus, mon ami. Prends la croix de Jésus. Quand tu as la croix de Jésus, tu es dans la supériorité. Quand tu as la croix de Jésus, tu marches à un niveau supérieur. Alléluia. Mon ami, tu vas marcher à un niveau supérieur. Alléluia. Tu vas marcher à un niveau supérieur. Alléluia. Partout où tu iras, l'ennemi va voir que tu es dans la supériorité. Alléluia. Je disais tantôt, comme nous sommes à la plage ici, un jour je marchais, de temps en temps, il m'arrive d'aller voir un peu la plage là-bas. Et je devais le faire le plus souvent, mais bon. Ok, je marchais. Et j'ai vu un groupe de personnes, 3-4 personnes, qui étaient, ils faisaient un peu des fétiches. Ils ont fait des trous. Ils ont fait beaucoup de choses. Je les regardais de loin. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, je connais les œuvres des marabouts. Les marabouts vont dans ces endroits-là. Parce que quelque part, ils ont reçu de l'argent. Peut-être pour envoûter quelqu'un, pour faire quelque chose à quelqu'un, les choses de ce genre-là. Depuis de loin, quand je les ai vus, j'ai commencé à prier dans mon cœur. Et j'ai prié à haute voix, très simplement. J'ai dit, Seigneur, cette personne que ce groupe de marabouts est venu lier, je la délie au nom de Jésus-Christ. Je dis, je la délie au nom de Jésus-Christ. Pendant que je suis là, je vois ces gens en train de marabouter quelqu'un. Avec la photo de la personne, je ne passerai pas comme ça, sans anéantir ce qu'ils sont en train de faire. Parce que je suis dans le supérieur. Le supérieur peut annuler ce que tout le monde est en train de faire. Parce que tu es supérieur, tu annules tous les autres décrets. Parce que tu es dans le supérieur, tu annules tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc je marchais, j'avançais comme ça, j'ai commencé à dire, j'annule tout ce qu'ils sont en train de faire contre cette personne au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'ils ont fait, c'est annulé maintenant dans Jésus-Christ. Et je marchais tout calmement. Et j'avançais. Pam, j'arrive à leur niveau. Ils ont levé la tête. Ils m'ont regardé. Après, ils ont dit, toi là, tu es dangereux. J'ai souri, je continue. Alléluia. Je suis dangereux. Je suis dangereux au-dessus d'eux. Alléluia. Ils sont dangereux, mais nous ne sommes plus dangereux. Alléluia. Ils sont dangereux, nous sommes plus dangereux spirituellement, alléluia. Ils ont la force, mais nous avons plus que la force, alléluia. Une force plus puissante, tu l'as mon ami, tu as cette force plus puissante mon ami. Tu marches dans la supériorité. Et j'entends la voix de Dieu qui dit, je veux restaurer ma supériorité dans la vie de ce frère. Je veux restaurer ma supériorité dans la vie de cet enfant. Je vais restaurer ma supériorité dans la vie de cette femme.
Je veux restaurer ma supériorité dans la vie de cette maman. Je veux restaurer ma supériorité dans la vie de cet enfant, dans cette famille. Je veux restaurer ma supériorité. Vous êtes les enfants. Vous êtes mes enfants. Vous marchez dans un ministère. Vous êtes dans un ministère qui est d'autant plus supérieur que tout autre ministère qui puisse exister sur cette terre. Vous êtes dans une spiritualité plus supérieure à toute autre spiritualité qui puisse exister sur cette terre. Mais cependant, vous marchez, vous vivez comme des gens qui sont dans un ministère inférieur. Mais l'Éternel a décidé de restaurer cela dans votre vie. Il a décidé de restaurer sa supériorité dans ta vie. Tu vas marcher dans la supériorité. Tu vas vivre dans la supériorité. Tu vas vivre dans la supériorité partout où tu iras. S'il y a des gens dangereux spirituellement, quand tu y arriveras, tu vas restaurer la supériorité spirituelle. Alléluia. Oh, je te vois restaurer la supériorité spirituelle. Je te vois restaurer la supériorité spirituelle. Partout où tu seras, tu restaures la supériorité spirituelle. Alléluia. Oh, tu restaures la supériorité spirituelle parce que tu es dans un ministère d'autant plus supérieur. Parce que Jésus a arraché la supériorité en passant par la croix. En passant par la croix, il est mort. Un jour dans le tombeau, deux jours dans le tombeau, le troisième jour, il a vaincu la mort. Alléluia. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Alléluia. Nous n'avons pas un tombeau pour où nous devons aller pour pleurer. Raison pour laquelle, mes amis, Dieu voulait restaurer cela. Quand les gens, comme Marie de Magdala et tous les Marie de Magdala avec les autres Marie qui étaient passés à la croix, au tombeau, ils étaient en train de pleurer et de chercher, donnez-nous le Seigneur. Qui a pris son corps? Elles étaient en train de pleurer. L'ange de l'Éternel a paru. Il a dit non. Qui cherchez-vous? Nous cherchons Jésus. Montrez-nous Jésus. Mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ressuscité? Il n'est point ici. Il est ressuscité. Alléluia. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Alléluia. Ne le cherchez pas parmi les morts. Ne le cherchez pas parmi les morts. Cherchez-le parmi les vivants. Il est ressuscité, il est vivant. Alléluia. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Mon ami, je n'ai pas besoin d'aller à Jérusalem pour aller prier. Mon ami, tu n'as pas besoin d'aller chercher l'onction d'huile, l'huile d'onction qui est à Jérusalem. Mon ami, tu n'en as pas besoin parce que en Jésus-Christ de Nazareth qui a vaincu le péché et la mort, tu marches dans un ministère supérieur. Alléluia. Tu marches dans un ministère supérieur. Tu marches à un niveau supérieur. Alléluia. Quelqu'un dit, il faut aller quelque part. Il faut aller dans un tel pays. Si tu vas dans ce pays-là, tu vas avoir l'onction. Mon ami, je ne vais aller dans aucun pays. J'ai déjà cette onction supérieure. Alléluia. Tu n'iras nulle part parce que tu as cette onction supérieure. Alléluia. Alléluia. Oh, je marre de la supériorité spirituelle. Et partout où tu vas arriver, tu vas restaurer la supériorité spirituelle. Et le Seigneur tout parle. Le Seigneur te parle. Le Seigneur veut que tu restaures la supériorité spirituelle dans ta famille. Dieu veut que tu restaures la supériorité spirituelle dans ta famille. Dans ta famille, dans ta société, dans le quartier, dans le village, dans la ville. Tu vas restaurer la supériorité spirituelle du Seigneur Jésus de Nazareth. Tu vas restaurer cela. Je vais restaurer cette supériorité partout où les gens règnent. Nous étions partis au village, en Guinée, Conakry. Nous sommes arrivés dans ce village, là où nous rendons ministère, nous parlons tout le temps là-bas. Avec respect, on a salué tout le monde, on a rencontré tout le monde, tous les notables du village, tous les notables, on les a rencontrés, on a parlé avec eux. Mais ils régnaient là-bas. Ils étaient supérieurs à tout le monde, ils étouffaient tout le monde. Dans ce village, c'est un petit village, plus petit que Louli. Il y a peut-être 6 églises là-bas. Dans un petit, tout petit village, il y a 6 églises là-bas. Mais les féticheurs qui sont dans ce village, ils semblaient avoir le dessus sur toutes les églises qui étaient là-bas. Mais il fallait que la supériorité du Seigneur Jésus,
la supériorité du ministère du Seigneur Jésus soit restaurée dans ce village. Et une fois arrivé là-bas, juste la présence seulement, juste arrivé seulement, les gens disent, on devait faire un sacrifice, il y a quelque chose qui est arrivé dans ce village. Laissons voir d'abord. Ils vont commencer comment? Il est arrivé faire quoi? Il veut faire quoi? Non, ils sont en train de nous tester, de nous regarder. Et on était là. Attendez, regardez. Encore, tu me donnes le temps, mais tu auras ta bénédiction, mon ami. Ils étaient en train de regarder. J'ai dit, vous allez avoir votre bénédiction. Et on semble rester calme. Ils ont dit, bon, on devait faire un grand sacrifice. On ne fera pas ce sacrifice jusqu'à ce qu'ils partent. J'ai dit, Et puis, dès que nous sommes partis, revenus au Sénégal, ils ont fait le sacrifice. Et quelques jours après, le grand arbre, qui est là plus de 100 ans dans ce village, ce grand arbre est tombé. Ce grand arbre est tombé. Ce grand arbre est tombé, alléluia. Et la supériorité du ministère du Seigneur Jésus a été restauré dans ce village. Tous les féticheurs, tous les marabouts qui sont là-bas, les magiciens, tous les gens qui prédisent l'avenir, qui travaillent avec les morts, tout ce monde-là a reconnu maintenant qu'il y a quelqu'un de supérieur à tout ce qu'ils ont. C'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Et ce ministère de la supériorité va être restauré dans ta vie. La supériorité du Seigneur Jésus restaurée dans ta vie. Le Seigneur va t'utiliser pour que tu ailles marcher avec la puissance supérieure. Dis avec moi, j'ai la puissance supérieure. J'ai la puissance supérieure. J'ai la puissance supérieure. Je marche avec la puissance supérieure. Je vis avec un ministère supérieur. Je vis avec un ministère supérieur qui est d'autant plus supérieur. Je vis avec un ministère qui est d'autant plus supérieur. Qui est d'autant plus supérieur. Mon ami, je ne suis pas impressionné. Je ne suis pas impressionné en voyant un joli bâtiment de quelqu'un. Ce n'est pas ce que le Seigneur a dit, que le joli bâtiment va te donner la supériorité. Je ne suis pas impressionné quand j'arrive quelque part, on me dit, regardez ce joli bâtiment, c'est en or, c'est bien décoré, c'est très joli, il y a les lumières partout. Mon ami, ça ce sont des choses faites des mains des hommes. Jésus a obtenu un ministère d'autant plus supérieur. Supérieur au bâtiment, supérieur à l'or, supérieur à l'or. Supérieur aux étages, supérieur à tout. Jésus a le ministère supérieur. Alléluia. Alléluia. Oh mon ami, la supériorité est restaurée dans ta vie. Alléluia. Oh, tu ne vas plus regarder. Mon ami, tu ne vas plus regarder quelque part. Tu vas plus regarder quelque part le style des édifices qu'ils ont. Tu ne vas pas regarder le site du bâtiment qu'ils ont et tu vas te sentir inférieur. Non. Jésus a obtenu un ministère, spirituellement parlant, au-dessus, beaucoup supérieur à tout ce qui puisse exister. Alléluia. Oh, je ne suis pas impressionné. Mon ami, tu ne seras pas impressionné par la qualité de leur bâtiment. Alléluia. Parce que ce que Jésus a reçu, Jésus n'a jamais construit. Jésus n'a jamais construit. Il n'a jamais construit un bâtiment. Il n'a jamais construit quoi que ce soit. Donc nous ne sommes pas impressionnés par quelque chose de joli. Nous ne sommes pas impressionnés par tout ce grand bâtiment. Partout on a mis des lumières. On a mis tellement de choses. J'ai vu hier à la télévision, il y a une religion. C'est tellement joli l'intérieur. Il y a de l'or partout. Il y a des lumières partout. Ils ont dit que c'est voilà, Dieu est là. J'ai dit mon ami, quelle que soit la beauté de vos bâtiments, quels que soient les tapis que vous mettez dans votre bâtiment, quels que soient les lumières que vous mettez dans votre bâtiment, quelles que soient les images que vous mettez dans votre bâtiment, quel que soit l'or que vous mettez dans votre bâtiment, Jésus a obtenu un ministère d'autant plus supérieur à tous vos édifices. Alléluia. Jésus a obtenu un ministère d'autant plus supérieur. Supérieur au bâtiment. Alléluia. Supérieur au bâtiment. Alléluia. Supérieur au bâtiment, supérieur au bâtiment, supérieur au bâtiment, supérieur au pays, supérieur au pays. Jésus a obtenu un ministère d'autant plus supérieur à un pays, mon ami. Je vois la supériorité restaurée dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je vois la supériorité restaurée dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je prie maintenant. Tous ceux qui passaient par les moments difficiles, où ils étaient en position inférieure, à cause de la supériorité que tu as obtenue en passant par la croix
et que tu nous donnes cette supériorité. Je prie maintenant pour eux. Ils vont quitter cette position d'inférieur. Ils vont passer en position de supérieur maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour tous ces hommes, pour toutes ces femmes qui sont dans la difficulté, qui marchent tête baissée. Maintenant, je déclare de leur vie. Je prophétise sur leur vie qu'ils ne vont plus marcher tête baissée. Ils vont marcher tête haute parce qu'ils marchent dans un ministère supérieur. Ils marchent dans un ministère supérieur. Ils appartiennent au Seigneur Jésus qui a obtenu un ministère supérieur. Il a obtenu un ministère supérieur. Tu vas marcher maintenant. Je prophétise sur ta vie. Tu vas marcher à partir de maintenant comme quelqu'un qui marche dans un ministère supérieur. Tu vas marcher comme quelqu'un qui marche avec une spiritualité supérieure. Supérieure partout où tu iras, au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le lieu où tu iras avec ta supériorité. Père éternel, je prie maintenant. Les liens qui liaient mon frère, qui liaient ma soeur et qui les maintenaient dans l'infériorité, je brise ces liens au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je restaure dans ta vie, je restaure dans ta vie et dans ma vie la supériorité. Je restaure dans ta vie la supériorité. Éternel, tu as dit, je te donnerai la supériorité sur tous tes ennemis qui se lèveront contre toi. Père éternel, je prie maintenant, tout ennemi qui s'est levé contre mon frère, contre ma soeur, mon frère et ma soeur, ils ont la supériorité maintenant, au nom de Jésus-Christ. La supériorité restaurée dans votre vie, au nom de Jésus-Christ. Tu as la supériorité sur tous tes ennemis, parce que le Seigneur Jésus t'a donné sa supériorité. Tu vis dans la supériorité, tu marches dans la supériorité, au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant, là où les gens t'avaient mis dans une position inférieure. Mais pourtant, écoute-moi mon ami, et pourtant, ce n'était pas ta position, ce n'était pas ta position. Mais on t'a placé dans une position inférieure. Mais ta position est supérieure. Je restaure cette situation dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je restaure cette situation dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Là où les gens t'avaient mis en position inférieure et pourtant tu devais occuper une position supérieure. Je restaure cela dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu reprends ta supériorité au nom de Jésus-Christ. Tes enfants reprennent leur supériorité au nom de Jésus-Christ. Ta famille reprend sa supériorité au nom de Jésus-Christ. Dieu va faire de ton nom un nom supérieur. Dieu va faire de ta famille une famille supérieure au nom de Jésus-Christ. Tout ennemi qui s'était levé contre toi, qui semblait avoir la supériorité sur toi, aujourd'hui même que nous adressons ces prières, leur supériorité est anéantie maintenant au nom de Jésus-Christ. Et tu reprends la supériorité maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu reprends cette supériorité au nom de Jésus-Christ. Je te vois marcher avec la supériorité. Tu marches avec la supériorité au nom de Jésus-Christ. Chaque pas que tu fais, tu fais le pas de la supériorité. Amen. Tu fais le pas de la supériorité. Amen. Tu fais le pas de la supériorité au nom de Jésus-Christ. Oh, ta supériorité spirituelle est restaurée maintenant. Oh, je vois cela restauré dans ta vie. Oh, le Seigneur restaure cette supériorité. L'Éternel restaure cette supériorité. Et restaure cette supériorité. C'est restauré dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et tu vis dans la supériorité. Merci Seigneur. Vous avez maintenant compris le secret. Comment on marche toujours dans la supériorité. Vous comprenez pourquoi. Quand nous marchons, nous sommes en face des sorciers. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Et il y a des gens qui sont champions pour parler contre des démons, contre des marabouts, contre des sorciers à l'église. Mais quand ils sont dehors, devant eux, ils ne peuvent plus parler comme ça. Ils commencent à dire, bon, il faut être sage. Ah oui, quand tu es à l'église, tu n'es pas sage. Mais quand tu es dehors, tu deviens non sage. Mon ami, c'est comment ça? Et donc, cette supériorité que nous avons pu regarder, marcher comme ça, quelle que soit la religion des gens. Oh, impressionné par rien du tout. Le bâtiment est joli, il y a de l'or partout, il y a les carreaux partout, il y a des marbres partout. Ça ne nous dit absolument rien du tout.
Parce que nous sommes dans un ministère supérieur. 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 Dans cette supériorité, le matériel ne peut pas nous influencer. Le matériel ne peut pas nous influencer. Nous sommes dans un ministère supérieur. Quand le monde spirituel te voit, il voit déjà que tu as un niveau supérieur. Alléluia. Et je te le déclare au nom de Jésus-Christ. Je te le déclare au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Le reste, les deux éléments qui restent ici, vous allez les lire après. Et quand Dieu fera grâce, parce que le ministère de la croix, nous n'avons pas fini de prêcher maintenant. Donc je remercie par la même occasion l'évêque Situ Situ et son épouse, notre sœur, j'aime dire la nationalité, l'ivoirienne. Maintenant je suis devenue congolaise. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Tu aimes, comme les disciples avaient dit, cet homme. Il aime notre nation. Il a construit pour le temps pour nous et il aime notre nation. Tu aimes notre nation. Tu aimes les enfants de Dieu. Le Seigneur te bénit. Tu es béni, maman. Tu es béni de l'Éternel. Évêque, c'est tout, vous êtes béni. Merci à tous les responsables qui ont pris le temps de faire que ce direct ait lieu. Et merci à tous les intervenants qui ont intervenu avant moi et qui interviendront encore après moi. Je prie que la grâce du Seigneur Jésus soit votre partage, dès maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Et si on ne se voit pas et qu'on n'a plus l'occasion de parler ensemble comme ça, je prie pour vous que cette année 2023 termine avec des grâces excellentes sur votre vie. Et que vous rentrez en 2024 avec des grâces excellentes. Alléluia. Merci Seigneur. Merci évêque Situ Situ. Merci à l'église. Merci aux responsables. Que la bonne main de l'Éternel soit posée sur vous et que votre supériorité spirituelle soit établie dans la ville. Partout où vous serez, au nom puissant de Jésus-Christ, on dit Amen. 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 Merci Seigneur. Alléluia.